Le défi Lumibox est un défi obligatoire. L'objectif est que les enfants réalisent un objet, un petit objet de collecte, une petite Lumibox, à rapporter chez eux pour sensibiliser leur entourage, leur famille, à l'importance du recyclage des lampes usagées et aussi aux défis auxquels ils sont en train de participer. Donc l'objectif est important parce que les enfants vont pouvoir décorer cette Lumibox, donc s'approprier l'objet, faire passer le message qu'ils ont compris, retenu sur l'importance du recyclage des lampes, mais aussi faire comprendre et évoquer avec leurs parents l'importance de l'action à laquelle ils sont, dans laquelle ils sont engagés. Donc c'est un défi facile à réaliser avec les enfants pour lequel ils sont en principe très très enthousiastes parce qu'ils ont un objet qu'ils vont pouvoir décorer à leur manière et qu'ils vont pouvoir surtout rapporter chez eux. Comment mener ce défi? C'est très très simple. Dans l'outil pédagogique que vous avez reçu, vous disposez de 30 exemplaires de ces mini Lumibox. Donc la voici. Cette mini Lumibox est à découper. Suivant l'âge des enfants, vous serez peut-être obligé de les aider à découper proprement l'outil, mais en principe, c'est assez simple. Il y a un espace qui est réservé sur la Lumibox pour que les enfants puissent y écrire le message qu'ils trouvent particulièrement important ou un message qui vient résumer l'intégralité du défi Récilume ou des messages sur l'importance du recyclage des lampes, par exemple. Enfin, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils décorent l'objet comme ils veulent, ils le montent et ensuite ils le rapportent chez eux. Comment valider ce défi? C'est très facile. Réunissez toutes les mini Lumibox des enfants. Prenez une photo de toutes les Lumibox décorées par les enfants, éventuellement des enfants autour de ces Lumibox. Certains s'amusent même aussi à faire des petits messages, des petits cœurs en formant toutes les Lumibox, en les mettant les unes à côté des autres. Et n'oubliez pas de déposer cette photo immédiatement sur votre espace privé, car à chaque photo déposée et défi validé, on se rapproche un peu plus du départ des missions.